Ce week-end, c'est petit bivouac en solo, en forêt. Une forêt où j'étais déjà venu avec mes potes, où j'avais bivouaqué en hamac. Là, je vais dormir au sol. La nuit est déjà bien tombée, j'ai bien faim, donc je vais préparer mon repas. Au menu ce soir, je vais me préparer une petite potée. Et qu'est-ce qui sent bon, mes légumes? Le petit économe au Pinel pliable, ça faisait un petit bout de temps que je lorgnais dessus, et grâce à Rémi, merci Rémi, j'ai pu trouver le petit opinel pliable et l'opinel numéro 10 avec tire-bouchon s'il vous plaît, pour pas trop cher. Dans le kit opinel, il y avait un troisième couteau, un numéro 12 avec la lame dentée, mais c'est pas le genre de couteau dont je vais me servir, donc je vais certainement l'offrir à quelqu'un. Dans ma potée, je vais mettre de la carotte. La carotte, c'est super bon. Du poireau blanc et feuilles, le vert. Évidemment, de la pomme de terre. Un oignon. Et pour saler et donner un petit peu de goût, de la poitrine de porc qui vient de la GAEC de la cascade Les Failleux. Ça va être bon. Le poireau, c'est super bon, non seulement au goût, mais pour la santé. Très très bon pour l'intestin. Ça me fait penser que j'aurais dû prendre de l'ail chez moi. Ça va être bon, ça va être très très bon. En fait, je vais même les ajouter en fin de cuisson, au dernier moment, sinon ça va être sec, ça va être bien trop sec. Allez, je vais couvrir d'eau. Donc la cuisson d'une potée, la bonne quantité d'eau, c'est quand l'eau commence à couvrir un petit peu les légumes, d'accord? Voilà. Pas non plus trop haut, parce qu'il faut pas que l'ébullition fasse déborder l'eau dans le feu, ce serait un peu couillon. Petit lit de braise, et c'est parti. Il n'y a plus qu'à attendre une petite demi-heure. Alors, qu'est-ce que je bois pour l'apéro? Ce soir, j'ai le choix, j'ai deux bières de la brasserie de Coublevis Attractive. Petite brasserie artisanale très sympa, le mec a un site internet. Il est bien, le mec est bien motivé, il fait de la bonne bière. J'ai une brune et une rousse fumée. Je pense que la rousse ira bien avec le repas. Allez, la brune en apéritif. Capsule, elle rentre chez moi avec moi. Elle est super bonne, la brune. Un petit goût sucré là. Aïe aïe aïe, elle est super bonne. Vous vous rappelez la tasse en bois que j'avais commencé à sculpter et qui avait craqué? C'était du bois de tilleul que j'avais sculpté sans prendre le temps de le laisser sécher. Après, j'y suis retourné. J'ai prélevé un autre morceau de tilleul et lui, je l'ai pris le temps de le laisser sécher un petit peu. Alors bon, c'était au printemps, on est bientôt en automne, donc bon, il n'a pas énormément séché, mais il a à peine craqué là, au bout. J'ai hâte de faire une petite tasse à l'intérieur, en espérant que cette fois-ci, elle craque pas.
Oh, regardez-moi cette couleur brune. On dirait du café tellement elle est sombre. Ouais, un régal. Bien. Je pense qu'il va être l'heure de passer à table. Ça cuit depuis un petit moment. Et tout à l'heure, la carotte était quasiment cuite. Donc là, je pense que ça doit être bon. L'odeur, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Bon, on va goûter ça. Ah ouais. Un régal. Ce petit oignon là. Les poireaux. Ils sont où les poireaux? Ah, petit poireau là. Ah, les poireaux c'est toujours bon, il n'y a pas de surprise. Bon, je relance un petit peu le feu là parce que je viens d'avoir la visite de trois sangliers. C'était assez spécial comme rencontre. Un mélange de surprise, de joie, parce que c'est quand même des animaux sauvages, j'adore les animaux sauvages, et puis de un peu de crainte quand même. Hein. Faut pas se voiler la face quoi. Donc là je relance le feu. Des fois que l'odeur de fumée inspire au sanglier de garder un petit peu d'éloignement, je sais pas. Bon, il y a un moment quand même, il va falloir sortir du lit. Ça remonte un petit peu. Cette nuit, j'ai eu 9 degrés. Autant dire qu'avec mon sac de couchage, la Défense 4, bon, j'ai pas eu froid. Hein. J'ai été comme un coq en pâte même. Bon, ça va être l'heure de préparer le repas de midi. Alors, j'ai mon pote Christophe qui m'a rejoint là, avec son vélo tout terrain. Et tant mieux parce que c'est pas super praticable pour venir ici. J'ai prévu de nous faire un repas vraiment très simple, des chapatis. Ça, c'est quelque chose qui est super bon, mais facile à faire. Alors, j'ai gardé un peu de lard d'hier soir. Donc, je vais nous faire des chapatis lard herbe de Provence, pour ce qui est salé. Et puis, peut-être aussi des chapatis sucrés avec ce qu'il me reste de figues. Et je dois avoir du miel ou du sucre roux, quelque chose comme ça. Donc, pour le dessert, ça ira bien. Ce qui donne du goût à la viande d'air. Ouais, mais ça c'est du... C'est pas du cartilage, mais pas loin quoi. Moi je le bouffe ça. Ça? Ouais. Bah tiens. On l'a pas cru comme ça. J'avais du cartilage bien dur aussi sur l'autre tranche. Ouais. Ah, pas sur celle-là, ça va.
Bon alors du coup, plutôt que de faire plusieurs chapatis, on s'est mis d'accord avec Toff, et je vais faire un seul gros chapati salé, et on mangera les figues en dessert. On va essayer de replier ça un petit peu, repétrir comme ça. Ça ressemble à rien. Mais je suis pas un habitué des pâtes à... les pâtes à pain et tout ça. Mais ça va venir. Non, ça va en fait. Alors là, ce qu'on va faire avec l'huile d'olive, c'est cuire cette espèce de masse difforme que j'aurais honte à appeler un chapati. Et puis, donc on va mettre ça comme ça. Voir ce que ça donne déjà dessous. Bon, c'est pas mal, avec l'huile d'olive déjà ça accroche pas. Bon, en attendant, pendant que ça finit de cuire, petit apéro avec mon pote. Donc on va se boire cette fois-ci la rousse fumée que j'avais prévu initialement de boire hier soir pendant le repas, et puis finalement, vu que j'ai fini la brune de l'apéro, ça a bonne tête tout ça. Non, en vrai ça ressemble à rien, mais c'est pas grave. Bon, santé. Santé. Bon alors Toff, qu'est-ce que t'en penses? Ça va, c'est mangeable? Bon, ça va, ça se mange bien. Mmh. Ça croustille forcément, mais ça va, c'est pas non plus brûlé. Les petits lardons là. À l'huile d'olive, un régal. Bon ben, recette à refaire, mais avec un petit peu d'entraînement quand même. Beaucoup d'entraînement même. Et puis, puis je vais l'améliorer. Je vais faire revenir les lardons à la poêle, à l'huile d'olive, avant de les incorporer dans la pâte, pour faire des lardons un peu déjà pré-cuits quoi. Je pense que ça doit être bien meilleur comme ça. Bien. Alors du coup, ça, c'est mon café, mais il est en grains. J'ai volontairement choisi de ne pas le moudre, donc je vais le moudre ici, et pour ça je vais me fabriquer un pilon. Alors quel bout je vais prendre? Ouais, ce morceau là me paraît pas trop mal. Je vais me garder un petit peu de longueur pour le manche, pour avoir une bonne prise en main quand même. Ouais, c'est bien là. Qu'est-ce que c'est que ces grelots qu'on entend? Les chiens de chasse? Un dimanche après-midi? On dirait qu'il y en a beaucoup, donc je pense pas. Alors là, pour ce type de coupe, c'est la coupe forte, mais avec un certain contrôle. J'utilise une technique que je vous ai relayée l'année dernière dans une vidéo à part entière. Je vous mettrai un petit lien dans le coin de l'écran pour que vous puissiez y accéder rapidement. Puis je mettrai le lien dans la description de la vidéo aussi. Voilà, un petit pilon assez basique, assez sommaire, mais qui devrait faire boulot. Je vais quand même finir au couteau pour fignoler, pour retirer un peu les aspérités, les trous, parce que sinon le café moulu va aller s'incruster à l'intérieur, et le but du jeu c'est quand même d'utiliser le café moulu, pas d'incruster le bois avec. Bon, vous savez comment ça fonctionne un pilon. Dans l'idée, je vais mettre mes grains de café et puis je vais les écraser comme ça, en tournant. Bon, c'est dans l'idée. On verra si ça va fonctionner ou pas. Je pense que ça devrait fonctionner. On verra bien. Voilà, je vais nous préparer un petit café du Pérou.
qui devrait être sympa. Bon, je pense que ça fait deux cafés, ça. C'est quand même plus rapide au moulin à café. Hein. Mais ça va, c'est sympa, c'est amusant de faire ça au pilon. On commence à avoir... Ah, c'est pas encore la poudre, hein, mais c'est des morceaux de grains de café. Je pense que ça va demander un petit peu de temps pour faire la poudre. Bon alors, si vous voulez moudre vous-même votre café en utilisant un pilon, préparez-vous un pilon qui soit confortable à utiliser. Petit conseil personnel. Ouais, le pilon il a pris un peu de gras là. Le café c'est très gras. Les grains de café moulus. Ça a pris un petit peu de temps mais je suis plutôt content du résultat. Je pourrais y passer encore un peu plus de temps et avoir des grains encore plus fins. Mais je pense que ça va le faire pour ma cafetière italienne. Allez, on a un petit peu de braise. On va se lancer le café. Ouais, c'est pas aussi fin que ça devrait, mais bon. Hein, on va pas être compliqué avec ça. On va nous faire un petit lit de braise, et puis il n'y aura plus qu'à poser la cafetière dessus. Vraiment sympa ce petit guide des onguents qu'on peut faire à partir d'herbes, de plantes sauvages. Bon, il est en anglais, hein, je vous préviens quand même, si vous comptez l'acquérir. C'est une connaissance à moi que j'ai connue sur Instagram. On s'est échangé 2-3 trucs, je lui ai envoyé des trucs, elle m'a envoyé du café, des biscuits de chez elle. Elle est aux Pays-Bas. Je vous mettrai un lien où vous pouvez commander ce guide dans la description de la vidéo. Il est en anglais hein, quand même, je vous préviens. Maintenant, la journée touche à sa fin, mon pote Christophe est rentré chez lui, puisqu'il avait un petit peu de route à faire en vélo. Moi, j'aimerais commencer à sculpter un peu ma tasse en bois, là, dans le morceau de tilleul que j'ai récupéré en début d'année. Et pour ça, je pense avoir trouvé l'atelier idéal. Un petit peu plus loin, il y a une souche composée de 3 troncs qui ont été coupés à ras. Normalement, si je me débrouille bien, je devrais pouvoir, avec 2 traits de scie et un petit peu de hache, utilisé en rabot, me faire un atelier utilisable pour bloquer la pièce de tilleul de façon à pouvoir la sculpter en utilisant mes 2 mains. Donc je vais aller voir si c'est réalisable. Ouais, le bois est un peu moisi là, mais je pense que ça devrait le faire. On va voir ça tout de suite.
Bon, c'est pas tout à fait la stabilité à laquelle je pensais. Mais le dessous est pas complètement plat. Il faudrait que je creuse un petit peu plus. Déjà, lui, s'il est calé dans ce sens, c'est bien. Ouais, peut mieux faire. Là, c'est pas mal, là. Là, c'est pas mal. Ça, ça mériterait d'être encore un peu plus droit. Voyons voir ce que ça donne. C'est pas mal, là. Bon, évidemment, là, ça mériterait d'être vraiment à angle droit. Mais, déjà, là, ça m'a l'air plus que correct. Bon, c'est pas mal, ça. Je vais juste retailler ce petit bout, là. C'est bien là, bien calé. Non, pas si bien que ça en fait. Non, ça tient rien du tout là. Je vais déjà faire un test. Couteau croche, le test vérité pour voir si mon atelier est utilisable ou pas. Bon, en théorie, j'ai pas besoin de mettre les gants, hein. Mais dans le doute, je vais quand même porter un gant à la main gauche. C'est celle qui risque le plus de se prendre un coup. Quoique, je risque fortement de retirer le gant bientôt. Ouais. La pièce en bois est pas assez bien calée, donc elle me met en danger. Si la pièce en bois bouge, le couteau croche risque de finir dans ma cuisse. Donc il faut que je trouve un moyen de vraiment caler ma pièce en bois. En tout cas, l'établi, l'espèce d'étau, donne un vrai avantage en termes de confort de travail. Bon, en même temps que je dis ça, les trucs bougent dans tous les sens. C'est pas rassurant. De toute façon, là, j'avance tranquillement, à mon rythme, et je la continuerai à chaque bivouac et à chaque sortie. Je la mettrai dans le sac à dos avec le couteau croche, les gants anti-coupure et anti-piqûre, et puis je l'avancerai un petit peu à chaque sortie. Finalement, ça va assez bien comme ça. J'ai pas changé grand chose, mais comme quoi. Il n'y a pas à dire, avec de bons outils, on fait du sacré bon travail. Mais cette tasse n'est pas finie. Je pourrais à peine m'en servir de cuillère à café. Et encore. Donc il y a encore un peu de travail dessus. Ouais. Bien, c'est pas tout ça, mais la nuit est en train de tomber. Donc je vais remballer mon matériel, rentrer chez moi. Merci à tous d'avoir suivi cette aventure. Maintenant, portez-vous bien, sortez dans la nature et à bientôt. Salut. Ça sent bon le bois fraîchement sculpté.